Hier soir, il y a Francky qui me laisse un message. Passe à la maison, j'ai un truc à te dire. Cet après-midi, je passe à son pavillon. La porte était ouverte. Francky? Francky, t'es là? Il y avait de la musique au premier étage. Un genre de truc indien. Je monte. Ça venait de sa chambre. Il était là. À poil. Peint en or. Assis sur un coussin rouge avec des bougies chauffe-plat autour. Ça va, Francky? Il me fait, assieds-toi, Bouddha va te recevoir. Je lui dis, tu fumes trop, Francky. Il me dit, chut, fais ta méditation. J'ai vu qu'on n'était pas rendu, je suis allé me chercher une pierre dans le frigo. T'as sûrement des trucs à me dire, Francky? Il me dit, oui, j'ai eu la révélation. J'étais dans la cuisine, je réchauffais des raviolis, et Bouddha m'est apparu. Bouddha, dans toute sa splendeur, avec les clochettes et les dorures. T'es complètement défoncé, Francky. Il me dit, j'ai buté. J'étais une chenille. Je suis un papillon. Et je vais déployer mes ailes. Je lui dis, Francky, tu fais 120 kilos. Si tu veux décoller, pense à ta longueur de piste. Il me dit, t'es con, c'est un vol intérieur. Alors je lui dis, si ça reste sur le territoire, c'est bien, il n'y a pas besoin d'apprendre la langue. Il me dit, t'es con, j'ai buté, je te dis. J'étais une chenille et je suis un papillon de lumière. Oh, tu as muté de cochon à papillon de lumière. T'es vraiment qu'un abruti, hein. L'âme n'a pas de poids, pas de corps. L'âme est au rayon frais des produits allégés à côté des yaourts de soja. Là, je me suis dit, c'est foutu. J'ai compris qu'il se shootait au vegan. Il me dit, je baigne dans un flux d'énergie. Je suis dans la piscine avec Dieu. Et là, il se lève et deux grandes ailes commencent à se déployer dans son dos. Ça devait faire au moins 2 mètres. Oh, c'était un petit peu encore entre mouche et libellule. C'était très coloré. Quand il a ouvert les volets, avec la lumière du soleil, c'était tout irisé. À un moment, il était beau. Il est monté sur la marchelle, il m'a fait un petit signe, et il s'est envolé. Lentement, lourdement, comme un gros bourdon. Mais il volait!